Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents pour ce café historique en direct sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, ce café se déroule depuis le prieuré Saint-Côme, la demeure de Ronsard, et ce café se déroule dans le cadre d'un partenariat avec le département d'Indre-et-Loire ainsi que la mission Val-de-Loire. Donc, ce soir, il va être beaucoup question de la Loire. Et je tiens également à remercier la région Centre Val-de-Loire pour le soutien dans ce café historique. Donc, ce soir, je suis ravi d'accueillir Virginie Cernat. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine, archéologue, et ce soir, vous allez répondre à une question. Que peut-on apprendre d'un naufrage en Loire? Vous êtes archéologue, vous avez fouillé dans la Loire, vous êtes à l'origine d'un ouvrage qui est parti d'études de naufrage, notamment d'un cas de naufrage qui s'est déroulé à la fin du XVIIIe siècle. Et à partir de ce naufrage, vous allez nous expliquer, en fait, on peut comprendre et mieux réaliser de ce qui se passait sur la Loire au fil des siècles. En tout cas, une sorte d'histoire de la navigation et de la batellerie. Et donc, on se retrouve à l'issue de cette intervention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur Facebook, en chat, sur YouTube. Voilà. Bon café à tous. Je vous laisse la parole, Virginie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde sur la toile et ici au prieuré Saint-Côme. Si vous le permettez, je profiterai en fait de la possibilité de parler là en public pour faire un hommage à un grand archéologue qui est disparu récemment, Patrice Paumet, grand archéologue, grand spécialiste de l'archéologie navale antique, qui a beaucoup travaillé donc sur des épaves et donc inévitablement donc sur des naufrages. Voilà, cette séance peut être lui être dédiée aussi. Alors, lorsque la question a été posée, que peut-on apprendre d'un naufrage en Loire, j'ai inévitablement en fait retrouvé une des questions que je me suis posée et que nous sommes posées avec une équipe donc de 22 chercheurs sur ce qu'est le naufrage. Alors, le naufrage, qu'est-ce que c'est? Le naufrage, il va laisser des traces. Le naufrage, il fait trace. Ce sont des lignes d'écriture, ce sont des milliers de pages manuscrites, des procès-verbaux. Le naufrage, il laisse des marques au sol, des empreintes sur les grèves des îles, les javiots, les berges, le fond du lit. Et puis le naufrage, il garde aussi, enfin, il laisse aussi une trace dans la mémoire collective. Alors, la façon dont nous avons essayé de travailler donc, sur le naufrage en eau douce, donc, nous avons travaillé suivant, en délimitant tout de suite notre objet de recherche. D'abord la chronologie. Nous nous intéressons donc à une chronologie qui va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Le territoire, nous sommes dans le centre Val-de-Loire et le corpus, nous avons décidé de ne travailler que sur les bateaux en bois. Donc le naufrage, c'est un objet d'histoire. Ça, nous l'avions décidé et nous l'avions compris rapidement. Le naufrage, c'est aussi un événement, c'est un accident. Le naufrage, c'est également un site archéologique. Et puis le naufrage, c'est également une source très intéressante qui va raconter en fait la rivière aménagée. Alors, dans ce travail sur le naufrage en eau douce comme objet d'histoire, nous avons choisi donc de travailler sur plusieurs temps du naufrage. Nous avons revendiqué d'abord le temps long de la recherche, et puis le temps long du naufrage, c'est-à-dire que nous allons travailler en fait sur pratiquement 10 temps qui sont intéressants. Le premier temps, c'est le temps de la navigation. On va travailler sur l'espace nautique, sur l'espace marchand, la circulation, comment on circule à gré d'eau, l'arrêt dans les ports, les lettres de voiture, comment on remonte aussi cette Loire, comment en fait les bateaux et les mariniers ou bateliers vont prendre le chenal balisé ou pas. On va voir le passage sous les ponts, l'encombrement de cette rivière. Ensuite va arriver le deuxième temps, c'est l'accident. Alors l'accident, le péril, risque de rivière, avec tout un vocabulaire qui est associé, qui est important. On dit le bateau a sombré, le bateau a péri, il a coulé, il est allé à fond.
Le bateau s'est brisé, le bateau s'est ouvert, le bateau a été défoncé, perdu. Et on va travailler sur les premières heures. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après l'accident ? Ensuite, un troisième temps que nous aborderons, c'est ce que j'appelle le post-naufrage. Là, après l'accident, c'est l'arrivée de la norme. La norme, le vocabulaire, le procès-verbal. Le procès-verbal de naufrage et le procès-verbal de reconnaissance. Ensuite, autre temps, le bateau naufragé. Voilà, non navigant. Le bateau a perdu son identité, il est perdu, on ne voit même plus sa trace sur les cartes, il est sans mémoire vive, c'est une épave, immobile, on se posera la question. Un autre temps que nous verrons, c'est l'entrée dans le fleuve. Ça, c'est très intéressant. C'est un temps où l'épave, là, est dans le sable. Elle se fait obstacle à l'écoulement, piège à sédiments. Elle se fait atterrissement, végétalisation. Et là, on a une première mutation. Première mutation de l'objet. Ensuite, le bateau donc, s'inscrit bien dans le fleuve. Le fleuve joue avec l'épave. L'épave joue avec le fleuve. Finalement, l'épave est mobile. Elle va travailler. On va avoir donc des périodes d'étiage, les périodes de hautes eaux. Et là, en fait, l'épave va suivre en fait ce mouvement-là. On a aussi à ce moment-là un changement de statut. L'épave devient-elle un déchet ? Est-ce qu'elle est à ce moment-là ce que l'on appelle un DGL, un débris grossier ligneux ? Ou est-ce que c'est encore un bateau ? Est-ce que c'est une épave ? Altération, modification. Et là, à ce moment-là, on a tout le temps de travail sur l'étude taphonomique. On repère à ce moment-là les lois de l'enfouissement. L'épave est enfouie, qu'est-ce qui se passe ? Mais l'épave continue sa vie. L'épave, finalement, elle arrive encore à un temps nouveau, qui est que l'épave est un abri. L'épave se fait refuge. Elle s'est fait refuge pour le silure, le silure glane. Elle se fait refuge pour le mulet de Loire, pour les cladophores sur les boulets, les carpes communes, le goujon, la perche, le gardon et, celle que j'aime par-dessus tout, l'éponge d'eau douce, Spongilla lacustris. C'est encore un autre temps, ça. Ensuite, nous avons l'archivage de l'épave dans les sédiments fluviatiles. Donc là, c'est tout le travail qui a été fait par Stéphane Rodriguez et Philippe Chugé. Puis, encore un autre temps, vous voyez qu'on déroule au fur et à mesure l'ensemble donc de ce temps du naufrage, l'érosion, la mise au jour de l'épave, parfois son pillage, souvent son pillage. Ensuite arrive un autre temps, qui est un temps d'un acte citoyen, un acte fédérateur, un temps que j'aime bien. C'est le temps de la déclaration. Le temps où l'épave, le site, devient un site archéologique. C'est son entrée en patrimoine et on poursuit encore cette histoire. Un autre discours normé arrive, avec un autre protocole. Le site archéologique rentre donc dans Patriarche, cela devient une entité archéologique, on a une autorisation pour pouvoir la fouiller et on rentre donc dans un temps de connaissances scientifiques, mais qui est aussi un temps administratif. Encore une nouvelle histoire. Là, c'est donc le site archéologique, le site naufrageur et son épave. On rentre dans une histoire technique, dans l'archéologie nautique, telle que l'a définie Eric Ritt. On va pouvoir étudier les déformations de l'objet, fragmentation, désarticulation, bioérosion, fossilisation du site. Et là, le site se fait lieu d'apprentissage. C'est le temps de la fouille programmée. Rappelons que donc, dans le cas de l'archéologie, cette discipline est pratiquement une des seules à détruire son propre objet de recherche. Le site se fait chantier-école et le bateau va témoigner des dynamiques passées du fleuve. Et aujourd'hui, finalement, on serait dans quoi ? On serait peut-être entré dans une nouvelle séquence qui est celle de la séquence du changement climatique, celle finalement où la fouille programmée a été faite, la publication a été faite, et là maintenant, l'épave de Langer, celle dont nous allons parler,
va devenir un site sentinelle qui va témoigner, en fait, du changement climatique. Donc, nous allons passer pour cela, dans tous les temps que j'ai pu exprimer sur le naufrage, on va quand même essayer de répondre à la question qui m'a été posée, sur le cadre de la recherche. Alors, comment a fonctionné cette recherche-là ? Donc, le cadre de la recherche, c'est une équipe. Si on peut repasser avant, sur la liste en fait des participants, donc la diapo 4, on a donc une équipe de recherche qui est une équipe profondément pluridisciplinaire, avec donc, si je peux avoir la diapo 4, je veux bien, donc une équipe volontairement donc pluridisciplinaire des musées, le musée de Cosne-Cours-sur-Loire, le musée de la Marine de Loire, l'établissement public Loire également, l'inventaire, et puis surtout on a voulu travailler très rapidement avec les riverains du fleuve et avec les usagers du fleuve. Le travail donc, qui a été fait, voilà, donc, on a ici l'ensemble des partenaires, la mission Val-de-Loire aussi. L'idée, c'était bien de fédérer en fait, tout un ensemble en fait, de personnes de façon à ce que l'on puisse générer un réseau, quelque chose qui soit forcément sympathique et dans lequel il y ait une joie profonde à travailler ensemble. Ça, c'était important. Donc, nous avons travaillé donc, à l'idée même de épave et naufrage en Loire. Tout de suite, ce qui nous a intéressé, c'était bien entendu de lier, en tant qu'archéologue, les deux éléments, donc épave et naufrage en Loire, avec cette notion archéologie de l'accident en eau douce. Suivante. Donc, le travail qui a été fait, c'est se poser la question, qu'est-ce que c'est que faire naufrage ? Alors, d'abord, faire naufrage. Faire naufrage, donc, on s'est interrogé très rapidement sur le vocabulaire, récit, narration et discours normé. Les sources, tout d'abord, comment aborder par les sources, puisqu'au départ, nous n'avions pas spécialement d'épave. Donc, nous avons travaillé sur les sources. Alors, l'équipe qui a été formée, dans le travail qui a été fait donc, sur cette équipe, c'est au sein de ce qu'on appelle un projet collectif de recherche, un PCR. Une équipe, donc 22 chercheurs venus d'horizons variés qui décident de travailler ensemble sur un sujet, épave et naufrage. Au début, nous n'avions pas d'épave. Par contre, il y avait des sources très intéressantes sur les naufrages. Les premières relations de naufrage sont des suppliques. Des suppliques en fait, que les nautonniers vont adresser à partir du XIVe siècle à la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuve descendant en Isselle. Nous avons aussi donc des récits de voyageurs, des témoins qui ont pu assister au naufrage. La déclaration se fait devant un juge, un notaire ou un curé proche et elle est faite généralement par les voituriers par eau. Alors, diapositive sur la déclaration du roi. À partir du 24 avril 1703, l'administration donc, de Louis XIV met en place donc, la déclaration du roi avec l'obligation d'établissement donc de procès-verbaux pour tout naufrage avec marchandises. Voilà, on va rester sur cette diapositive. C'est une source immense. Pourquoi ? Parce que la déclaration du roi va définir des responsabilités en cas de naufrage entre les voituriers par eau et les marchands. Alors, ces actes de naufrage, ils sont particulièrement intéressants. C'est un discours normé, leur densité et leur grande multiplicité se prêtent à une étude comparative. On a toujours le même modèle, en fait. On a la déclaration du marinier, des témoignages, le constat donc, du notaire qui se déplace. Alors, tout de suite, à l'intérieur de ces procès-verbaux, on décèle, par ce discours normé, les principales causes donc, des naufrages. Diapositive suivante. Donc, on a ce que l'on voit très rapidement, c'est tempête, crue, débâcle, fort coup de vent, embâcle de glace et des écueils également donc dans le lit de la rivière. Des pierres, des troncs d'arbres, des bois flottants, des pieux, des souches et puis bien entendu des épaves de bateaux. On a aussi des bâtons de marine qui sont cassés, qui sont laissés dans le fleuve. Autre cause de naufrage que l'on peut déceler au travers de ces procès-verbaux, les ponts, leur franchissement. Et bien entendu, moulins, pêcheries, ce qu'on appelle aussi les combres. Alors les procès-verbaux,
qui ont été donc étudiées au sein du projet collectif de recherche, donc qui a duré de 2015 donc à 2020. Donc c'est bien ce temps long de la recherche que nous revendiquions, donc a été étudié par Françoise de Person, Emmanuel Brouard et Florent Godelaine. Voilà ce qu'ils ont décelé en fait au cours de leur recherche. Les procès-verbaux vont nous raconter les causes du naufrage, les circonstances. On va y voir aussi la nature de la cargaison, les pertes, les noms des marchands, le lieu d'expédition des marchandises, leur destination. On va voir aussi, très intéressant, le nombre de bateaux dans le train de bateaux. Et par contre, il y a aussi de grands silences. Par exemple, très peu de mentions de mort. Mais silence ne veut pas dire absence. Ils ne sont pas, je dirais, comptabilisés parce que ce n'est pas l'objet du procès-verbal. Le procès-verbal raconte une marchandise qui est perdue. C'est ça qui est important. Donc, les enquêtes que diligente ensuite l'administration royale des Turcis et Levé, donc un peu plus tard pour le XVIIIe siècle, entre 1784 et 1787, eux vont pointer très rapidement l'erreur humaine. Et là, on a une autre source qui est différente de celle des procès-verbaux. Alors, dans ces procès-verbaux ne racontent pas tout. Par exemple, tout ce qui est autour du transport du sel, qui est très encadré, là, en cas de naufrage, les voituriers vont s'adresser aux officiers des greniers à sel, et pas du tout aux notaires. Alors, rappelons quand même une chose, le naufrage, c'est un événement ordinaire. Le terme est parfois aussi, je l'ai déjà dit, donc celui d'avarie. Alors, ensuite, une fois, je dirais, que l'on a fait naufrage, on fait naufrage pourquoi ? Alors, je l'ai dit, donc on a effectivement tempête, on a aussi des défauts de balisage. Diapositive suivante. Donc, sur le balisage, alors là, vous avez effectivement cette notion de prévenir le balisage. C'est tout un travail qu'a fait donc Valérie Moret-Cribelier, qui effectivement a rappelé que le balisage se fait en deux opérations. Il y a le nettoyage du lit et puis la pose de balise qui est sans cesse réajustée. Pour pouvoir naviguer sur ce fleuve, en fait, pour pouvoir le descendre comme pour pouvoir le remonter, il faut avoir un chenal balisé. C'est extrêmement important. Donc il faut que ce chenal soit balisé, et sur la diapositive, vous voyez donc ces tiges d'osier, dont l'une est cassée et l'une est au contraire toute droite. L'une doit être contournée à gauche et l'autre doit être au contraire contournée à droite. On en a une autre qui raconte aussi un obstacle dangereux. Durant tout l'Ancien Régime, ce balisage est essentiel. Il est effectué en fait grâce au droit de boîte par la communauté des marchands de Loire. Ce balisage va s'arrêter en 1764, il va être, donc c'est l'administration des Turcis et des Levés, puis ensuite, à partir de 1791, c'est l'administration des Ponts et Chaussées qui va prendre le relais. Au XIXe siècle, donc à partir de 1851, on a un premier règlement des cantonniers baliseurs, tracé journalier donc, du chenal navigable, extraction des obstacles, entretien des ouvrages qui sont liés à la navigation, essartement du chemin de halage, abattage des arbres, donc ce sont vraiment les cantonniers du fleuve. Fin 19e siècle, c'est la fin du balisage, la navigation s'arrête pratiquement. 1957, c'est la date de déclassement donc, de la Loire, l'État dégagé de toute obligation en fait, d'entretien liée à la navigation, les opérations de balisage vont cesser. Or, ce terme de balisage, on y vient parce que très souvent, dans les procès-verbaux, il va s'agir pour le marinier qui va vouloir se défendre d'avoir perdu la marchandise à cause d'une mauvaise manœuvre, à dire le balisage était mal fait. Et effectivement, voilà, c'est une cause qui revient extrêmement souvent. Alors, on continue dans cette histoire, en fait, sur ce que nous apprennent les naufrages. Donc, on le voit bien, le procès-verbal est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse parce qu'elle raconte aussi, dans le procès-verbal, qu'on appelle le procès-verbal de reconnaissance, qui arrive, en fait, quelque temps après le naufrage,
qui va raconter ce qui a pu être récupéré. Donc là, c'est la phase de récupération de la marchandise. Cette phase-là, elle fait partie du déroulement du naufrage. C'est une obligation. Le marinier doit agir vite, efficacement. La marchandise est pêchée, séchée sur les bords de la rivière. L'usage, effectivement, d'apposer finalement sur chaque ballot, sur chaque caisse, sur chaque tonneau, la marque du marchand destinataire s'avère très utile parce que la marchandise peut partir, elle descend quasiment jusqu'à Nantes. Il va falloir la récupérer, retrouver à qui appartenait cette marchandise. Alors, au XIXe siècle, ça sera intéressant, la récupération va se professionnaliser avec les mariniers plongeurs. L'acte de naufrage, donc on l'a vu, on en a vu donc des éléments. On a vu également donc le déroulé, l'épave, l'avarie, les marchandises naufragées, les péripéties, le lieu du naufrage. On va avoir aussi dans ce procès-verbal la description du bateau naufragé, l'état, l'endroit d'avarie. On va nommer le bateau, mais avec des termes génériques qui, bon, sont intéressants, mais parfois manquent de caractérisation. On va avoir le chaland, le tout, la sapine, mais souvent on va avoir le bateau, un point, c'est tout. Dans le recueil des témoignages, les premiers à parler, c'est le batelier, puis les compagnons et les témoins secondaires qui vont effectivement raconter ce qu'ils ont vu du naufrage. Le bilan du procès-verbal, c'est 5 à 10 lignes. Le notaire va constater donc la situation, il va notifier valoir ce que de raison, il va déterminer les responsabilités. Est-ce la faute du marinier? Est-ce la faute de la tempête? Est-ce la faute des moulins? La clôture de l'acte, rappel des noms cités. La signature, certains ne savent pas signer, et l'ultime paragraphe donc, va mentionner l'enregistrement de l'acte notarié au contrôle des actes. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à l'archéologie, et notamment donc, à l'archéologie d'un naufrage. C'est une histoire donc, que je vais vous raconter, puisque 2015, donc, nous avons eu, le 4 août 2015, je m'en souviens encore, donc, la déclaration en fait, de l'épave de Langer, qui a été faite donc par François Hérault, qui est un grand maquettiste et marinier, et qui effectivement a permis, par cet acte citoyen, de pouvoir faire un acte fédérateur et que l'on puisse se retrouver en fait ensemble autour donc de cette épave. Donc on va passer plusieurs images au fur et à mesure. D'accord, donc on avance au fur et à mesure. Donc on va avoir la diapositive qui va nous montrer en fait le site tel qu'on lui-même. Donc la carte qui va nous montrer donc le site de Langer. Alors Langer, vous voyez, donc nous sommes effectivement juste en aval de Tours. Diapositive suivante. On est effectivement sur un grand paysage. Alors les grands paysages de Loire tels qu'on peut les connaître. Donc vous voyez au fond en fait le pont de Langer. Vous voyez donc un épi végétalisé donc sur la rive qui est la rive gauche, induit, et l'épave, en fait, là, n'est pas visible sur ce site. Diapositive suivante. On a donc, voilà, ce site archéologique. Alors, ce site archéologique, il faut se rendre compte, et c'est ça qui est toujours très intéressant systématiquement, c'est la modestie. Je crois qu'à chaque fois qu'on est archéologue, on reste très, très modeste. En fait, sur l'ensemble donc de ce que l'on trouve et des traces extrêmement modestes qui sont parvenues jusqu'à nous. Et vous voyez, l'épave, là, c'est ce qui est en fait à l'intérieur du rond blanc. Vous voyez aussi le site sur lequel nous nous sommes installés, donc en bordure de l'île. Alors, cette archéologie... Ce site archéologique, ça a été un très beau moment puisque l'équipe avait déjà travaillé pendant un an, pratiquement deux, sur l'ensemble des procès-verbaux. Et là, une épave arrive et à peine avions-nous fait, en fait l'expertise qui nous a permis de reconnaître que nous étions bien en face donc, d'un chaland de Loire, très rapidement. Et à ce moment-là, donc, très rapidement, est arrivé aussi le procès-verbal de naufrage et le procès-verbal de reconnaissance. Donc ce procès-verbal de naufrage, il est pour un archéologue un grand moment. Donc retrouvé en fait dans aux archives départementales. Et ce naufrage, il va nous raconter, en fait, suivant toujours ce discours normé dont je vous ai parlé, il va nous raconter ce qu'il s'est passé.
Alors, ce qu'il faut retenir, même si vous, je pense que vous êtes en train de le lire, et je l'espère, c'est ce qu'il raconte, c'est cette idée qu'on a effectivement un train de 6 bateaux qui est chargé donc pour le compte de la République, donc il y a plein d'informations qui sortent, d'un équipement et armement de guerre. Donc on a déjà une cargaison bien particulière, une cargaison militaire. Ensuite, on a un peu plus loin, sur cette commune de la rivière de Loire, entre l'île aux Bœufs et un bâti de pieux, se trouve une île et le chantier de Bel Air, où l'eau couvrait le dit bâti de pieux. Un grand coup de vent sud-ouest. Voilà, le batelier est tranquille, c'est un grand coup de vent, donc il n'est pas dans son tort, il n'a pas fait de fausse manœuvre, et donc à ce moment-là, il n'est pas responsable en fait du naufrage. Donc ce grand coup de vent de sud-ouest, malgré tous les soins et précautions, donc le bateau est allé à fond. Il est allé à fond, diapositive suivante, et là on va avoir donc ce qu'il y avait à l'intérieur du bateau. Donc là, pour un archéologue, c'est un grand moment. Moi, c'est la première fois que j'avais ça, c'est un objet d'histoire totale. On a l'épave et on a le procès-verbal. Donc là, toute l'équipe, on était quand même très, très, très intéressés parce que c'est vraiment une pièce très pertinente. Donc, quantité de boulets de différents calibres, des caissons d'infanterie, et puis on a des choses merveilleuses, des barils de fer blanc, du tabac en cordelé, un ballot contenant de la musique et des images. Bon, on rêve là-dessus. 3 paniers contenant des pots de faïence, une caisse cordée, un ballot d'estampes et de musique, tout ça partant sur Nantes et malheureusement n'étant jamais arrivé à Nantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que raconte quand même ce procès-verbal. Donc, il nous raconte effectivement ce dernier voyage, un train de 6 bateaux. Déjà, l'idée de train de bateau, normalement, on les connaît beaucoup plus pour la montée et pas du tout pour la descente. Donc là, on a un train de bateau qui descend. Lui, le bateau, c'est le deuxième bateau, donc le Tiro, et c'est lui, effectivement, qui a fait naufrage. Alors, on continue sur cette campagne archéologique parce que, diapositive suivante, là, on va travailler donc sur le naufrage et son épave. Donc, très vite, on a compris que nous étions sur un chaland de Loire, un bateau en bois. L'ensemble en fait, des éléments que nous avons là, ce sont des planches qui constituent la sole, donc le fond du bateau. Les bordées en fait, n'existaient plus lorsque nous sommes intervenus, j'allais dire sur le terrain, mais sous l'eau, donc à partir donc de 2016. Et donc on a des éléments très vite sur ce bateau. Ce bateau est déjà connu. Il est connu par une iconographie, donc diapositive là qui peuvent dérouler. Donc cette iconographie, elle est bien connue notamment donc par le chaland de Loire de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. On continue. Ensuite, on a la très belle iconographie, tout le travail énorme qu'a fait donc François Baudouin. Donc là, on voit effectivement ce chaland. Souvent, on passe ensuite. Donc là, on a une maquette ex voto qui va être extrêmement intéressante, qui se trouve à Châteauneuf-sur-Loire et sur lequel en fait, on va faire tout un travail de va-et-vient. On continue. Donc on va effectivement aborder la campagne archéologique en sachant déjà pratiquement ce que nous avions sous les yeux au niveau de l'architecture de ce bateau-là. Cette campagne archéologique, elle s'est déroulée pendant 4 ans à raison de 10 jours chaque année dans des périodes qui sont très contraintes, liées bien entendu à la fois à la loi sur l'eau et dans des contraintes qui sont liées à la nidification des oiseaux, donc impossible de travailler entre le 15 avril et le 15 août, donc nous débordions toujours en fin août. Et tout ce travail qui a été fait à propos de l'épave nous permet aussi d'approcher quelque chose qui est très intéressant dans le naufrage, c'est que le naufrage apporte une épave, et donc on travaille sur le bateau naufragé. Avec une connaissance archéologique de ce bateau, donc les traces qui sont laissées par ce bateau, une connaissance fine de son architecture, on rentre là dans une histoire technique, dans l'histoire technique de cette architecture-là, avec donc des éléments de palâtre que vous voyez sur la diapositive de gauche,
On voit effectivement donc ce palladium qui sont des éléments donc de réparation ou d'étanchéité bien particulière liés à l'architecture ligérienne et cette mousse bien particulière qui est utilisée donc dans les palâtres que vous voyez. On poursuit. L'équipe donc constituée, qui donc Chantier École, Université de Paris 1 et aussi Université de Langeais, je veux bien les autres diapositives. Voilà, donc là, on retrouve en fait toute l'architecture du bateau du Chaland de Loire avec ce système architectural donc de bordée à clin, avec tout un vocabulaire associé. Donc le travail normal donc de relevé, on va passer la diapositive suivante. Et voici l'équipe de fouilles auquel je tiens particulièrement à rendre hommage ce soir. Ça a été un travail difficile, mais qu'on a vraiment bien fait tous ensemble. Donc on travaille de relevé, de, également donc de photogrammétrie, de travail de points de GPS. Catherine Lavier est en train de faire les études macroscopiques donc sur le bois pour déceler en fait l'ensemble des traces possibles et les espèces végétales du bois. Et on continue ensuite. Donc l'idée, c'est maintenant d'apposer en fait l'ensemble des pièces de ce bateau, ce grand chaland de Loire, 26 mètres de long, 4,60 mètres de large, et d'apposer en fait l'ensemble de ce que nous avons vu, de ce que nous avons reconnu, de ce que nous avons pu caractériser, et de le replacer donc sur un fabuleux plan de François Baudouin, sur lequel nous avons pu remettre en fait l'ensemble des planches de la sole, mais aussi les râbles, les courbes, également les boulets, et également donc des pièces plus particulières qui nous ont permis de retrouver en fait bien la levée avant de ces bateaux particuliers, donc bateaux à fond plat, levée avant, un tableau arrière droit. Donc ici on a toujours donc tout ce travail très minutieux qui raconte pas simplement une histoire technique d'un bateau, mais qui va nous raconter les espèces végétales utilisées. Au-delà des espèces végétales, c'est le chantier de construction. Voilà, donc on arrive quand même là aussi à une histoire des hommes et de la construction navale pour un bateau donc 2795 qui a fait naufrage donc dans la Loire. Alors, bien entendu, on fait encore une diapositive donc, sur cette architecture. Il y aurait beaucoup à dire. Là, on a les fameux arronsoirs, donc les éléments qui sont en bleu, qui sont présentés ici, qui sont des pièces aussi très spécifiques de cette architecture ligérienne. Mais je passe. Je passe parce qu'on va parler de la cargaison. Et c'est vrai que la cargaison a été un grand moment. D'abord parce que nous ne savions pas du tout ce que signifiait, enfin pour ma part en tout cas, un caisson d'artillerie de type Gribeauval. Donc là, nous sommes rentrés dans une spécificité militaire et historique que je ne connaissais pas du tout, mais nous avons été très aidés, très rapidement, et je les en remercie, par donc, le musée de l'armée, et Sylvie Leluc en particulier, et puis par Patrick Eresman qui nous a aidé effectivement très rapidement à comprendre ce que nous avions devant les yeux. Alors ce que nous avons vu sous l'eau, juste à la diapositive précédente, qui était sous cette forme un peu étrange sous l'eau, si on peut avoir la diapositive précédente, voilà. Donc là vous avez effectivement à gauche, vous avez donc ce fameux caisson d'artillerie. Très vite on a attiré notre attention sur cet objet-là, bien particulier, qui ressemble plus à un cercueil qu'à un caisson. Et vous voyez que sur l'image, on voit donc l'épave qui est en haut et on voit un ensemble de caissons qui sont disparates et qui sont effectivement complètement déconnectés de l'épave. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, l'épave aussi, elle va... Le site en fait, archéologique va nous permettre aussi de raconter tout ce qui est de l'ordre de la dynamique fluviale de la Loire. Et là, l'épave a encore un autre rôle à jouer. Elle joue en fait le rôle de témoin. L'épave témoigne de la dynamique fluviale en cours. Les caissons sont en train de partir doucement, mais sûrement vers Nantes, tranquillement, enfin vers Laval. Certains caissons sont perdus, certains caissons avaient été récupérés, mais il en reste normalement encore 7. Alors, à la première question qui nous a été inévitablement posée, c'est est-ce que l'on va remonter l'épave, est-ce que l'on va remonter les caissons? Il n'en a jamais été question. L'étude a été faite donc, en milieu subaquatique, on dit aussi milieu hyperbare, donc avec des plongeurs archéologues, et l'idée n'a jamais été donc, de pouvoir remonter. Donc, on continue sur les éléments. Donc, on a été voir effectivement très rapidement au musée de l'armée
ces caissons. Il se trouvait qu'on les avait à l'échelle 1, donc on a pu travailler dessus. Et puis, je vous rappelle que dans le procès-verbal, on avait également les pots de faïence. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on va les retrouver? Et effectivement, donc, sous l'eau, on a ces pots de faïence, très intéressants, qui sont des pots de parfumeur, Jean Artaud, PF pour parfumeur, rue Saint-Denis, donc à Paris, et qui ont été retrouvés donc, sur place, voilà, et qui faisaient partie donc, de la cargaison. Alors, on a vu qu'il y avait donc un fret civil et un fret militaire. On va continuer encore un petit peu sur le travail qui a été fait les autres années. Systématiquement, le travail a été fait sur comprendre ce que nous avions chaque année devant nous et repartir ensuite sur un échange en fait, avec les maquettes ex voto. La maquette ex voto, celle de Châteauneuf-sur-Loire notamment. Donc on a fait ce travail de va-et-vient extrêmement intéressant. Vous voyez ici Eric Ritt, donc, qui est à l'œuvre, qui nous a aidé à bien comprendre ce bateau. Diapositive suivante. Et également donc, tout le travail de François Hérault pour bien comprendre ces spécificités des palâtres, des gavets, voilà, qui étaient des éléments importants. On a parlé cargaison, on a parlé architecture. Maintenant parlons paysage, puisque en fait le naufrage, par sa matérialité de l'épave, nous raconte aussi des choses sur ce que j'ai longtemps appelé la rivière en creux. C'est-à-dire que dans ce paysage, ce grand paysage de Loire, les naufrages en fait, ont la particularité, au travers à la fois des procès-verbaux dans leur écriture normative et également au travers en fait, de l'épave et dans sa matérialité, nous raconte un paysage en cours de façonnement. Si les bateliers ont très souvent en fait, ont fait naufrage ou ont eu des périls de rivière ou se sont accrochés, c'est que aussi parfois ils ont eu devant eux, à la descente comme à la remontée, des équipements nouveaux, des épis, un port nouveau, un moulin qui s'est déplacé, un nouveau pont. Et finalement, dans leur espace de navigation, ces nouveaux équipements ont pu, à un moment donné, leur poser problème. Donc on voit en fait, au travers de tous les équipements de la rivière qui ont provoqué des naufrages, on voit la rivière en train de se façonner. Et là, on touche effectivement qu'on a appelé, avec Vincent Joanneau, tout le travail sur la rivière aménagée. Et on voit, en fait, les naufrages permettent cette lecture en creux de la rivière. Alors, pourquoi, c'est aussi souvent la question, pourquoi on n'a pas vu l'épave qu'est-ce qui s'est passé entre 1795 et 2011? Alors, si on vient sur la diapositive 38, qui est donc la diapositive en noir et blanc, c'est un travail qu'a fait donc Philippe Juget. Vous voyez donc le positionnement donc, du pont de Langer, qui est donc en haut de la diapositive, et Philippe Juget a replacé, en fait, avec des points rouges, donc l'emplacement de l'épave et l'emplacement des caissons. En fait, en 1795, donc naufrage, récupération de certains éléments. Ensuite, ma foi, ensuite, enfouissement. Sans doute, l'épave en fait a fait obstacle, a provoqué en fait une sédimentation qui a provoqué un javiot, un atterrissement, une île complète. Et vous voyez qu'en fait, pratiquement jusqu'en 2011, l'épave était sous une île, complètement végétalisée et en même temps complètement protégée. En 2013, à l'occasion en fait de l'enlèvement du tablier de pont de Langer, cela a provoqué pratiquement ce qu'on appelle une chasse d'eau, donc une érosion qui a en fait provoqué une incision du lit de la rivière à cet endroit-là, qui a en fait complètement chassé l'ensemble des sédiments de la rivière et qui a provoqué en fait la mise au jour donc de cette épave. L'épave est sortie en 2013, elle a été visible, elle a été déclarée donc en 2015 et nous avons donc ensuite le temps de monter dans ce temps de la recherche scientifique, donc 2016, 2017, 2018, 2019, le temps de la publication et 2020, la publication. En même temps, et je finirai pratiquement par là, je crois que
Nous avons aussi tous été conscients, à l'intérieur donc de ce travail sur l'épave, qu'il n'y avait pas que nous, les archéologues, et que nous, l'épave. Donc, je veux bien la diapositive suivante. Il y avait d'autres présences. D'autres présences parce que l'épave racontait aussi autre chose et l'épave avait encore une vie. Et c'est une vie passionnante. C'est une vie où l'épave se fait abri et refuge, comme je l'ai dit dans un premier temps. Et donc l'épave, en fait, a abrité une espèce d'éponge, d'eau douce, Pongilla lacustris, qu'au début, nous n'avions pas beaucoup vu. Et après, effectivement, tout le travail avec le Conservatoire des espaces naturels, Nolwenn Baudouin en particulier, nous a permis de nous rendre compte de ce que nous avions aussi. Et là, ce deuxième temps, enfin, ou dixième temps de l'épave est tout aussi intéressant. Et là, nous avons eu donc cette notion de respect à avoir sur ces nouvelles présences, enfin pour nous en tout cas, nouvelles présences de Loire. Voilà, j'en finirai avec ça. Et puis la dernière diapositive, je crois, c'est quand même pour faire aussi un peu rappeler le travail et rappeler ce temps long de la recherche qui a abouti effectivement donc à une publication, Épave et naufrage en Loire, archéologie de l'accident en eau douce. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été. Merci à tous. Merci beaucoup Virginie. Alors, simplement, on a évidemment, compte tenu de la richesse de ta présentation, nous avons quelques questions pour non pas la compléter, mais simplement parce que forcément ça suscite toujours beaucoup de questions. La première qui nous a été proposée, c'est de savoir si la navigation sur la Loire est plus dangereuse que sur les autres fleuves, donc que peuvent être la Seine, le Rhin, le Rhône, enfin tout ce que tu connais déjà beaucoup. Alors, ça dépend déjà à quelle époque, mais enfin, bon, disons qu'on va se placer sur les époques où la rivière est navigable. Alors, je dis la rivière, hein, je sais bien que c'est un fleuve, mais on dit la rivière de Loire. Alors, oui, je pense qu'elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'il y a toujours cette saisonnalité du fleuve très importante, sur laquelle peut-être je n'ai pas beaucoup insisté, l'étiage, et puis le moment des hautes eaux, voire aussi le moment des crues. Donc, on a effectivement une rivière qui, avec un chenal qui est mobile, difficile à appréhender. Et d'ailleurs, la navigation traditionnelle d'aujourd'hui reste une navigation que je trouve aussi de très grande qualité, de haute volée, parce que inévitablement, que ce soit à la descente ou à la remontée, on a là une navigation qui est vraiment faite par, non pas du tout ce qu'on dirait les marins d'eau douce, mais par de grands marins, de grands bateliers qui savent effectivement reconnaître ce chenal qui n'est toujours pas balisé, hein, puisqu'effectivement, avec le déclassement de la rivière de Loire, l'État n'a plus l'obligation, en fait, ni de faire l'entretien en fait, de ces douves de Loire, ni de garder un chenal balisé. Donc oui, la rivière de Loire est plus difficile, est beaucoup plus difficile. Alors je continue, hein, j'en profite. une question, mais avec une réponse difficile. Est-ce qu'on a une idée du nombre de naufrages? On sait qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est possible d'estimer le nombre de naufrages? Alors, ça, ce seraient mes collègues qui arriveraient plus à y répondre, mais on a quand même, par exemple, l'enquête de 1784 montre, enfin indique en fait, sur un temps donné, 74 naufrages dans l'année. On peut penser que ce chiffre, oui, ce chiffre doit être valable, même si je pense qu'il est un peu sous-estimé. Donc, alors après, là on parle vraiment de naufrage. Après, il y a tout ce qui est péril de rivière, donc le bateau qui est un peu amoché, mais qui part quand même. On a aussi, alors j'en ai pas parlé, il y a aussi parfois des naufrages volontaires, on abandonne le bateau. Alors ça, bon, c'est encore une autre histoire, d'ailleurs je suis peu tombée sur ces bateaux-là. Donc c'est difficile à dire, et je voudrais pas dire de bêtises, donc je préférerais pas m'avancer là-dessus. Après la question, c'est la corrélation entre procès verbal et épave. Parce que ça, on s'est dit, alors si on a un procès verbal, à chaque fois, est-ce qu'on va retrouver l'épave? Alors, ça aussi, c'est important de le mentionner. Il y avait obligation pour l'ensemble des mariniers et des bateliers
systématiquement d'enlever l'obstacle que faisait, qu'était l'épave. Donc il fallait tout de suite que l'épave en fait soit dégagée du lit du fleuve. Donc on a effectivement très peu d'épaves. À l'heure actuelle, par exemple, il nous manque de façon étonnante, bon, je ne suis pas antiquisante, mais par hommage pour Patrice Paumé, on peut en parler un petit peu, il nous manque étrangement toute cette période antique pour les épaves. On a là, ce n'est pas normal. Donc soit effectivement, il nous manque cette période-là, il va falloir, soit les épaves en fait sont encore sous le sédiment, ce que quelque part j'espère, et là, elles sont fossilisées, donc je dirais que voilà, elles sont finalement, je dirais, en bonne conservation. Ce qui nous fait un peu plus peur à l'heure actuelle, c'est le changement climatique et les étiages prononcés. Parce que là, effectivement, on a là la possibilité que chaque année soit mise au jour des épaves dans un état souvent très altéré, mais qui peuvent être pris comme de simples pièces pour barbecue. Or non, ce sont des sites archéologiques, donc il convient de pouvoir nous travailler dessus. Une autre question, je crois, qui rebondit assez bien avec ce que tu viens de dire. Que faut-il faire en cas de découverte fortuite ? Ah, j'adore cette question. Alors, cette question, que faut-il faire ? Alors, la déclaration doit être immédiate à une autorité. Alors là, c'est le côté bleu, blanc, rouge. Hein. Donc, l'autorité, quelle est-elle ? Gendarme, le maire ou directement le service régional de l'archéologie. La première chose à faire, je dirais, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire ne pas toucher à ce que vous voyez qui est en place. En revanche, une localisation GPS, maintenant c'est tellement facile, tout le monde peut le faire, des photos, et puis un rapide petit complément, trois lignes, sur la commune 2, j'ai vu tel jour, ce que moi je considère comme étant un bateau, avec tous les points d'interrogation possibles, mais ça peut être aussi les radiers d'un pont, ça peut être des meules de moulin. À ce moment-là, à partir du moment où cette information est envoyée à une autorité, il y a l'obligation pour les archéologues donc, au sein du service régional archéologique donc compétent sur le territoire de se déplacer et surtout, de contacter en fait, celui qui est le découvreur ou l'inventeur. Voilà, donc surtout ne pas tirer sur la membrure, ne pas récupérer le magnifique petit pot que l'on voit, essayer de... C'est vraiment un acte citoyen, je veux dire, on est dans le domaine public fluvial, c'est un bien commun, on est sur la Loire, on a tout à gagner à travailler ensemble. Donc voilà, là vraiment c'est un appel que je fais parce que chaque année on a encore des sites qui sont malheureusement découverts et parfois maladroitement un peu exaucés maladroitement. Donc voilà, travaillons ensemble, essayons de monter un réseau. Les premiers qui sont vraiment sur le terrain ce sont les riverains, les bateliers. Voilà, essayons vraiment de travailler ensemble, surtout que là, pendant la canicule, je pense qu'il va y avoir à nouveau une canicule, au moins un étiage, de nouveaux sites vont sortir. Voilà, ce serait bien qu'on travaille tous ensemble. Alors, une autre question concernant les secteurs. Est-ce qu'à ton avis, sur le périmètre Val-de-Loire UNESCO élargi, même jusqu'à l'estuaire, il reste des secteurs qui n'ont pas du tout fait l'objet d'attention ou de fouilles particulières et qui te semblerait pertinent à creuser ? Alors, je dirais qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. C'est vrai que là, le travail qui a été fait a montré qu'il y avait pratiquement des secteurs qu'on pouvait appeler des sites naufrageurs, qui sont des sites... ce que Olivier Trouba a appelé des sites accidentogènes. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose, c'est difficile de passer le pont, on a des difficultés sur le passage des villes, on a des difficultés donc, aussi sur certains lieux avec des seuils très importants. Donc, dans tous ces lieux-là, c'est vrai que ça vaudrait la peine de mettre en place des prospections.
Après, bon, on manque aussi de moyens, on manque de temps. Il faut avoir cette sensibilité, cette appétence. Voilà, il faut aussi, je crois, continuer à travailler sur quelque chose que j'aime toujours beaucoup en archéologie, c'est l'émotion. C'est quand même l'émotion. Ne jamais perdre de vue que lorsque l'on est devant un naufrage, on est aussi devant une histoire humaine, devant un drame. Et ça reste toujours, et je crois que les membres des 22, enfin les 22 membres, pardon, de ce projet collectif de recherche, on a tous été émus, en fait, et à la lecture du procès-verbal, et lorsque l'on a trouvé cette épave. Alors cette épave, elle reste, c'est un site conservatoire, elle est sous l'eau, je dirais qu'elle est sous les yeux bienveillants de l'ensemble des usagers des riverains de Loire. Elle est protégée, c'est un site archéologique. Voilà, maintenant je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et voilà, j'appelle à la communauté scientifique et en même temps celle des usagers et des riverains du fleuve à vraiment être vigilants sur ces sites très particuliers. Peut-être une dernière question qui est arrivée, qui tu vas voir, qui va te plaire. Est-ce qu'on a déjà trouvé des trésors ? Aïe, 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 les trésors, j'en étais sûre. Alors les trésors, bah oui, je suppose qu'il y a plein de trésors qui ont été trouvés. Mais alors bon, si on pose à chaque fois la question, les trésors, qu'est-ce que c'est ? Alors si on parle trésor monétaire, moi je ne m'avancerai pas là-dessus. Personnellement, c'est pas sous l'eau que j'en ai trouvé. En même temps, les trésors pour moi et pour l'ensemble de l'équipe, pouvoir effectivement se retrouver sur des éléments de palâtre d'un chaland de Loire du XVIIIe siècle, c'est un trésor. De même que travailler ensemble et découvrir qu'en fait sur le rable numéro 10 se trouve cette éponge qui semble presque nous parler, qui a envie de nous dire des choses, et sur lequel on se dit, bon, tiens, t'es là, toi, le goujon qui passe, voilà, tout ça pour moi, c'est du trésor. Alors, voilà, je ne rentre pas dans l'idée de trésor archéologique. Pour moi, le site même est un trésor. Voilà, donc non, pas de pièces d'or, mais les caissons d'artillerie sont pour certains des trésors. Le rable 10, c'est un trésor. Merci beaucoup Virginie, merci parce qu'on a voyagé, on est allé se promener d'abord sur les bords de Loire et puis on a découvert la complexité des imbrications et des entrelacs entre les artefacts et puis tous les habitants de la Loire. Donc merci, je tenais alors à remercier évidemment le prieuré Saint-Côme et son équipe pour l'accueil, le département d'Indre-et-Loire, les cafés historiques et l'équipe, la mission Val-de-Loire, la région, évidemment, on me fait signe, la région, je ne l'ai pas oublié, et puis l'équipe technique qui a permis de rendre possible ce live, c'est-à-dire l'équipe de Strat avec Anatole Darras qui ont œuvré derrière, vous ne les voyez pas, mais voilà, pour que tout ça se passe bien, vous nous retrouverez, vous retrouverez aussi tout ça en différé, en podcastable, en audio-vidéo castable, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour continuer à creuser finalement la connaissance de la communauté ligérienne. Merci à tous, au revoir.